Psycyclette est un rallye vélo de Toulouse à Paris en passant par Limoges qui doit permettre d'échanger avec le public sur la santé mentale. Les professionnels, on les connaît aussi parce qu'on travaille avec eux, mais surtout effectivement le grand public, c'est notre cible effectivement privilégiée parce que vous savez, quand on est confronté à ce type de difficultés, on n'a pas vraiment le réflexe de vraiment s'ouvrir et de dire ce qu'on vit. Le handicap psychique est encore entouré de tabous. C'est très très important pour déstigmatiser le fait qu'on associe toujours le terme de dangereux à tous les handicapés psychiques et aux schizophrènes en particulier, puisque le mot schizophrène dans la société est toujours utilisé comme une insulte. Nous pensons que, avant même de parler d'insertion par le travail, ce qui est la cible, on doit avoir une approche assez subtile et parler plutôt de l'insertion par le logement et le social, parce que c'est une des problématiques, la difficulté. La plupart des patients que nous rencontrons retrouvent tout à fait le milieu ordinaire dans lequel ils vivaient avant d'intégrer un hôpital et d'avoir des soins. L'objectif étant d'ailleurs d'organiser les soins de façon à ce que les gens retrouvent pour un maximum de temps leur milieu antérieur. On a peur et on a tort d'avoir peur, parce que le handicapé psychique est surtout dangereux envers lui-même, beaucoup plus qu'envers les autres. Une personne sur quatre souffrira de troubles psychiques au cours de sa vie, des troubles qui se classent au troisième rang des maladies les plus fréquentes, après le cancer et les maladies cardiovasculaires.